rentre pas dans la chambre d'à côté. Hein. Richard. Oui, Chris. Ils sont dans la chambre. Vous avez l'étage, non? On le voit à la fête, c'est ça. Il est sur la caméra, hein? C'est moi. C'est Juan. Ça y est, la voilà. Allez, Marie, je vais marier. C'est moi. La petite Suède, montée sur la colline. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des champs de grenadiers. Voilà, des deux côtés, on ne voit que voilà, la vente des patatous, voilà, de l'eau, voilà, etc. C'est la limonade. Voyez la publicité des deux côtés. Pyramide en Égypte, mausolée de l'empereur Qin Shi Huangdi en Chine. Voilà, les panneaux avec des bons plans dessus. Voilà, des bouts des animaux sont souvent des choses parce que, vous voyez, ici, c'est une région plate, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Et là, c'est simplement pour les touristes. Et enfin, beaucoup sont artificiels. Les deux champions les plus anciens et les plus importants qu'on a trouvés actuellement dans le monde. Ces deux chariots sont considérés comme les deux champions des bronzes de l'Antiquité. On y va maintenant, voilà. C'est des protégés par une graisse de bois. Avec le temps, la graisse a pourri, la terre s'est écroulée. Les deux chariots étaient cassés en petits morceaux comme ça. Après 8 ans de travail, on a restauré ces chariots. À cette époque-là, ces deux chariots ont été fabriqués en miniature sur l'échelle 1,5. Dans la salle suivante, on présente les deux chariots authentiques après la restauration. Voilà, un rassemblement ici. Former un demi-cercle. Avec ma grande voix, je vais les chasser. Voilà. Alors, ici, mesdames et messieurs, par ici. Les amis français, par ici. Voilà, ils sont partis. Voilà, coupez, on les laisse partir et fermer le passage après. C'est une technique, hein. Ah, il veut dire encore, voilà. Voilà. La voiture avant la voiture présidentielle. Tout est en bronze. Sur les harnais des chevaux, il y a des pièces en or et en argent. Ces pièces en or et en argent pèsent 7,5 kg. Voilà, prenez d'abord les photos. Voilà, prenez la photo. Circulaire, symbolise le ciel. L'habitacle de la terre symbolise la terre. La roue symbolise la lune. Voilà, prenez la photo, s'il vous plaît, et après, regarde-toi avec des flèches. Tout
été fabriqué sur l'échelle Altemi. Sur une flèche, il y a des boîtes rondes. Ces flèches sont utilisées pour ne pas blesser la personne qui s'occupe de la cible. Le reste, avec des boîtes triangulaires très aiguës, étaient utilisées contre les assassins et les terroristes, les kamikazes. Avançons! Voilà, la possession française par ici. Nous sommes maintenant, voilà, devant la vitrine que présente les écuyers. Derrière les portes des chevaux. On pique les paresseux chevaux, on contrôle les chevaux trop rapides. Voilà, ce sont les pièces de l'époque qu'on a retrouvées sur les deux chariots. Avançons! Voilà, nous sommes maintenant devant les deux gourdes retrouvées respectivement dans les deux chariots. On les utilisait pour porter de l'eau. En cas de besoin, notre empereur ou le quartier de l'empereur pouvait avec ça se jeter derrière leur cravate. Ah, ce sont là, c'est à nous. Par ici, les amis français. La concession femme française, c'est par ici. Voilà, dans la salle ici, on nous présente des photos, mais beaucoup sont insignifiantes. Nous présente des photos que nous présentent les casques. Une armure en plaquette calcaire. On a découvert quantité d'armures en plaquette calcaire dans une fosse pour symboliser la grande réserve pour les armures des soldats. À côté, on présente également un chaudron. Ici, la photo nous présente des statues qui représentent des acrobates. L'empereur a voulu assurer le divertissement des soldats et de la cour impériale. On a enterré aussi des statues qui représentent des acrobates. On nous présente tous les grands villes de tous les pays. Mais M. Chichi est présenté en premier. Car il est venu en premier. Voilà, il a fait des phrases brillantes comme ça. Il y avait autrefois les 7 merveilles. L'armée enterrée en sera la 8e. Sans voir la pyramide, vous n'êtes pas venu en Égypte. Sans voir cette armée enterrée, vous n'êtes pas venu en Chine. C'est pour ça qu'on a mis la photo de Chichi en premier. Voilà, c'est bon!